dédie dans Deutéronome 28. Tout, car il y a rien de flou. Tout sur ce que vous êtes, fils d'esclaves au sang et larmes coulées à cause des êtres flous. Vous qui réveillez la vérité tant cachée dans les enclaves, car eux ne se soucient pas de vous. Chers parents, à l'instant même où je vous parle, je bave, et c'est grave. Frères et sœurs africains, frères des îles, n'allez pas en vrille, soyez braves. Je vous prie d'être toujours fiers, très chers. Vous êtes les vrais fils d'Abraham. Oui, c'est à vous que Moïse parlait, à vos ancêtres qui subissaient les blâmes. Vous aviez porté la chaîne au cou, cicatrisé vous étiez par des lames. Tous les maux de la terre, le vacarme, c'est vous qui les connaissiez. Vous avez subi le drame, les épidémies, les pandémies, la famine, le déshonneur, la terreur, l'humiliation. Non, vous avez perdu vos repères, vos terroirs, vos territoires, vos heures de gloire. Vous qui êtes de la race noire, vous traversez dans le noir le couloir de l'espoir. Pitié. Là, je regarde le monsieur, parce que... Oh, toujours ce monsieur. Toujours ce monsieur avec son nom de Ya, son nom de Mfumu Congo. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais parce que, attends, là, il parle d'un sujet quand même capital. Il dit que, concernant les tresses, c'est-à-dire que tout ce qui est tissage, mèche, perruque, oui. Normalement, Mfumu Congo n'aime pas ça. C'est ça, le message. Oh, mais c'est marqué où dans la Bible? Mais tu n'es pas au courant que Paul l'avait dit? Paul l'avait dit, veillez à vos tresses, tressez-vous simplement. C'est ce que Paul a dit. Moi, je suis fatiguée de ça. Mais comment ça? Attends, chérie, comment ça tu es fatiguée de ça? La dernière fois, on a regardé ensemble, tu étais d'accord de ce qu'il disait? Quand on a regardé, toi et moi, on était mis d'accord que oui, ce monsieur disait la vérité concernant les Écritures. On a vérifié ensemble, toi et moi, concernant effectivement la Bible, elle est là, si on peut encore regarder, ah, si tu es d'accord. Moi, non, mais ce monsieur dit la vérité. Quand tu vas dans Isaïe 18, on l'a vérifié ensemble, ce qu'il disait est exact. On est parti, on a regardé aussi dans Exode, ce qu'il disait est vrai. Donc, moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, tu commences à changer d'avis en disant que ce monsieur-là n'est plus crédible à tes yeux parce que la vidéo que j'ai en train de regarder, il dit, venant de la part du Créateur vivant, que une femme africaine, une femme noire, ne doit pas mettre les mèches, ne doit pas mettre effectivement les perruques, ne doit pas mettre tout ce qui est tissage. Regarde, donc, quand je mets la perruque là, je me sens à l'aise. Non, pas du tout, parce qu'il vient de dire, le fait de mettre perruque, de mettre tissage, de mettre tout ce qui est mèche, en réalité, c'est... On se laisse nous-mêmes se laisser. Mais c'est marqué où dans la Bible? Oui, quand tu lis. Moi, je me sens. Mais quand tu lis, au contraire, si tu,
En faisant cela, on est en train d'enfoncer le Créateur vivant. Parce que c'est une interdiction. Mais moi, je n'ai pas de cheveux longs. Je n'ai pas de longs cheveux. Mais c'est la raison pour laquelle. Je ne peux rien faire. Oui, non. Ce qui est. C'est que mettre les cheveux comme ça là. Oui, mais dans les Écritures, il est bien dit. Une femme, effectivement, une femme noire, ne doit pas mettre tout ce qui nous fait éloigner de lui. Donc, ce qui n'est pas de lui est mauvais ou mauvaise pour toi, ma sœur. Mais moi, je me sens belle comme ça. Mais non, je suis belle comme ça, pas avec du tout. Les longs cheveux. Non, tu, ce n'est pas toi. Tu ne ressembles pas au naturel que tu devais être. Ça veut dire que quelle est la différence? Mais le naturel pour moi, c'est court. Non, j'ai honte. Non, j'ai honte pas du tout. Tu ne peux pas avoir honte de tes cheveux. Parce qu'il faut que tu gardes le naturel. Il y aura une vraie différence. Tu es en train d'imiter, tu es en train de devenir ce que tu n'es pas. Tu vas te ressembler à qui? À une blanche? À une, je ne sais pas moi, une asiatique? Or, tu es une noire africaine. Tu dois garder cette naturelle qui est en toi. Ça veut dire que garder, effectivement, ce qui est, comme Paul l'avait dit, garder des tresses. Oh. Qu'est-ce qu'il nous dit? Puisque ça a toujours été comme ça depuis de nos aïeux, ils l'ont toujours vécu ainsi. Ah, mais en tout cas, moi, je ne me vois pas hein, sans les mèches, hein. Mais sans la perruque, moi, je ne me vois pas. Moi, je oublie. Non, c'est un défaut, effectivement, parce qu'en faisant cela, en faisant vraiment cela, oui. Ma sœur... Non, je ne suis pas ta sœur, suis ta femme. Oui, ma chérie, écoute, c'est vrai que j'encourage cette bêtise. C'est nous qui vous encourageons de mettre des cheveux de mauvais goût. En réalité, tu devrais... à l'avenir, bien sûr, que tu puisses avoir des cheveux naturels, tes propres cheveux, que tu sois fier de ce que tu es. Parce que là, le fait de mettre cela, tu n'as plus ton identité. Mais dehors, les gens vont me rire. Non, au contraire, pas du tout, parce que le naturel est très rare. C'est le naturel qui te fait vivre. Pourquoi les gens vont rire? Parce que tu es une Africaine, tu dois l'être. Tu ne dois pas changer. Moi, j'aurais honte. Pas du tout. Pourquoi aurais-je avoir honte? En faisant cela, tu es en train, effectivement, de pouvoir dire à Mfumukongo, le Créateur qui nous a créés, qui t'a créé, que la façon qu'elle t'a créé, ce n'est pas de cette manière-là que tu veux être. C'est comme si tu disais que non, voilà l'erreur que tu as pu commettre. Donc, ça veut dire qu'en te criant tel que tu es, pour toi, ce n'était pas ça que tu attendais de lui. Ça, c'est une grosse erreur. Moi, je pense, le message que ce frère vient de dire est tout à fait authentique. En ce qui me concerne, désormais, il faut que tu enlèves, que tu ne puisses plus mettre cela, parce que ça enfonce le Créateur et en même temps, ça te met dans une situation qui n'est pas acceptable. Parce que ces cheveux de mauvais goût, la fin de fin, c'est quoi? C'est que tu vas perdre tes cheveux, il y aura des trous de gauche à droite, et après, ça va t'amener où? Tu vas perdre beaucoup de choses. Mais moi, quand je mets ça, je me fais belle pour toi. Non, je pas du tout. Je me fais belle pour les gens qui sont dehors. Non, tu ne les te fais gens qui sont dehors. Pas du tout. Moi, ça va être moi, dur. Moi, hein? je pense que tu dois rester naturel. Moi, je te trouve naturel. Je t'aime tel que tu es naturel. Donc, je ne pense pas, en faisant cela, tu es belle. Non, en faisant cela, tu me rends triste. J'ai la tristesse parce que je ne te reconnais plus. Je ne vois plus cette naturelle en toi, cette naturelle de naissance qui est une fierté de ton identité. Et tu es en train de la perdre totalement en faisant ou en mettant effectivement les cheveux de mauvais goût qui n'est pas de nous, qui n'est pas de nous. Et c'est vrai que... Ça va être dur vraiment. Ça va vraiment être dur hein, parce que moi, je ne veux pas lasser. Hein, je ne veux pas... laisser les perruques, moi je suis comme ça là, et quand je peux, par exemple quand je pars au travail, moi mes cheveux là ça me rend confiant. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Le monde a évolué, je ne suis pas au village là-bas,
Je ne veux pas ressembler à une villageoise. Oui, je comprends. Ah non, non, non. Oui, non, je non, comprends. Non. Mais ce que tu oublies, ce que dans le monde où tu dis que nous évoluons, ce monde-là, c'est un rêve. C'est un monde utopique. Il faut descendre, revenir à la réalité. Tu es une Africaine. Tu dois garder ce naturel-là qui est en toi. Et que si tu t'entêtes de pouvoir effectivement mettre ses cheveux de mauvais goût. Moi, je t'informe, hein? Mais c'est Mfumuko. C'est lui qui va te rabaisser. Et surtout le modernisme que tu parles là. Ce monde-là. Soit disant qu'il y a la technologie et tout ça. Mais ça finira par être détruit. Parce que l'entêtement que nous faisons, nous, parce que nous ne voulons pas obéir. Là, on nous demande l'obéissance. De dire, enlevez ce qui n'est pas de vous. Et gardez ce qui est de vous, de nature, ce qui est naturel. Mais ce n'est pas moi. C'est Mfumuko lui-même. Ah, en tout cas, moi, je ne pense pas. Hein. Moi, je ne vais pas laisser mes cheveux comme ça. Hein. Je ne vais pas ressembler à une villageoise. Hein. Écoute, hein? Écoute-moi bien. Moi, je veux rester non, comme non, ça. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Comme ça avec non, mes non, 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 non. J'aimerais bien pour ton bien, effectivement, que tu puisses enlever cela. Je ne reviendrai pas dessus, c'est pour ton bien. Non, 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 non. Je t'assure je que je ne suis pas d'accord. Tant que tu es dans cette maison, c'est pour ton bien. Écoute, il faut que tu obéisses. Non pas à moi, mais au Créateur vivant. Si moi, tu n'obéis pas, ok, je suis d'accord. Mais au moins, celui qui nous a créés, qui t'a créé, qui te donne ce souffle de vie, celui qui a le dernier mot, c'est lui qui le recommande. C'est une recommandation de Mfumukombo. Et que cela n'est pas de lui. Il ne te reconnaît pas. Tu n'es pas sa fille. Non, en faisant cela, ben, c'est comme si tu l'insultais. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, non, je te dis, et j'insiste là-dessus, enlève ses cheveux de mauvais goût, qui ne fait que enfoncer le père, qui ne fait que mettre le père en colère. Non, 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 moi je veux garder mes cheveux, je veux garder plutôt mes perruques, mes mèches. D'accord. Et d'ailleurs, c'est moi-même qui les achète, donc je vais garder ça. Oui, cette fois-ci, certes, c'est toi qui les as achetées, Jean, je comprends tout à fait, mais je te demande. Bon, on verra, moi en tout cas. Pour ton bien. De mon côté, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Au fait, moi, je reste comme ça. Je ne comprends toujours pas pourquoi cette insistance à ton égard, à mon égard plutôt. Mais au fait, j'aimerais savoir, tu tiens tellement à ces cheveux-là. Est-ce que tu étais né avec? Tu es venu au monde avec ces cheveux-là? Ce sont des cheveux que tu as pu acheter au marché. Tu sais d'où ça vient ces cheveux-là? Ce cheveu-là vient des autres pays. Ça vient peut-être de l'Inde, où on enlève sur les têtes des gens et on fait des tissages, des mèches. Et on vous vend, c'est une saleté, c'est la malédiction. Mettre les cheveux des autres, c'est une malédiction. C'est même marqué dans les Écritures. Tu ne peux pas mettre ce qui n'est pas à toi. Donc c'est pour cela que les Écritures éclairent. Enlevez ce qui n'est pas de vous. Donc je ne comprends pas pourquoi, effectivement, tu t'obstiens en vouloir, effectivement, garder ce qui n'est pas de toi. Parce que ça va t'amener où? Où ça va t'amener? Ça va t'amener simplement à avoir des maladies ou... Tu ne pourras... Voilà. Moi, non, je ne crois pas. Je pense parce que le fait de mettre ça sur la tête, ça va me rendre malade. Mais bien sûr que... On a dit, mais, il n'y a pas longtemps, on avait regardé une émission là, où il y avait le pays en question. Oui, voilà, c'est le nom du pays. C'était en Afrique du Sud. Cette Sud-Africaine là, la noire là, la Sud-Africaine qui est tombée malade, on l'a diagnostiquée. Elle est partie voir 5 médecins différents
qui lui ont diagnostiqué que elle avait le cancer à cause de ses mauvais cheveux, à cause de ses mauvais cheveux, qui lui ont effectivement mis dans cette situation-là. Et là maintenant, elle fait de la pédagogie dans les écoles, elle passe dans les écoles pour dire effectivement à des jeunes filles plus jeunes que elle à arrêter de mettre ses cheveux parce que voilà quelles sont les conséquences. Et donc si en tout cas on n'a pas pris conscience, mais au moins qu'on puisse respecter et mettre en pratique les écritures de Mfumo Kongo, parce que ce que la fille effectivement cette sud-africaine, il fallait qu'elle tombe dans cette situation-là pour comprendre que oui, voilà la réalité. Il ne fallait pas qu'elle puisse effectivement mettre ses cheveux de mauvais goût qu'une ont mis dans cette situation. Ah. Et je ne veux pas qu'à la longue, que ce soit toi ou ma fille, que vous soyez dans cette situation-là. Moi, ça ne me convient pas, hein, en tout cas. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux rester comme ça, là, et puis on verra. Hein. Non, moi je pense honnêtement, pour ne pas avoir des soucis à la langue et que pour ton bien-être, surtout que la parole elle est claire dessus, elle nous dit quoi? Obéissez, nous obéissons, parce que la Bible... Tu sais, ça va être dur d'être naturel, hein? Oui, parce que tout le monde te regarde, oui, t'as des cheveux. Oui, c'est vrai que je sais que ça va être dur. Ça va être dur, hein? Mais moi, naturel, comment je vais faire, moi? Mais de toute façon, on aura des possibilités dans le sens qu'on va effectivement acheter des produits qu'il faut que pour que tu puisses entretenir tes cheveux naturels, pour que tes cheveux effectivement puissent rester en bon état. Et finalement, qu'est-ce que je vais faire, moi? Il y a le regard des gens dehors, il y a les amis, il y a beaucoup de gens qui me regardent. Oui, je sais. Je comprends qu'il y a tous ces regards. Mais l'obéissance d'abord. Donne l'argent alors. L'obéissance d'abord. Et... Donc, que j'obéis d'abord. Oui. Si à l'obéissance, telle que les Écritures nous l'a dit, oui, je donnerai l'argent pour que tu puisses aller traiter tes cheveux. Cette histoire-là, franchement, je te promets rien. Je vais essayer. Mais je te promets rien. Ce n'est pas moi que je dois promettre. C'est au Créateur. Oui, je sais, mais moi je fais ça d'abord pour que je sois belle devant toi. Oui. Mais cette beauté que tu as, que tu caches, le Créateur aussi veut le voir en toi, en disant que oui, cette fille, elle est obéissante. Elle est à ma suite, elle me suit. Donc, comme je l'ai dit, et les Écritures me l'ont confirmé, à la langue, tu dois maintenant faire pousser et garder des cheveux naturels. Et en tout cas, c'est une très bonne chose pour nous tous. Et que cet exemple-là puisse aussi suivre pour notre fille. Donc, en gardant mes cheveux naturels, ça ne va pas te déranger? Non, pas du tout. Je sais que en gardant tes cheveux naturels, c'est la joie que j'aurai la plus totale. Tu ne vas pas aller voir ailleurs? Parce que dehors, il y aura d'autres qui auront des cheveux longs. Oui, hein? Mais je sais très bien que en gardant effectivement celle que j'aime, dans la simplicité que j'adore, c'est elle que j'ai choisie et qu'elle reste naturelle. C'est le naturel que j'ai aimé, non pas le superficiel que tu me mets à chaque fois, parce que, en tout cas, ça me fait très mal quand le soir tu l'enlèves. Et là, le naturel se ressort, je dis, mais
Tu aurais dû être toujours comme ça tout au long de la journée. Voilà que grâce, je dirais que peut-être quelque part à Kanika Congo, en expliquant les écritures du Créateur vivant, que le naturel qui a été caché a réapparu. Mais moi, la question, attends, je te coupe pas. Oui. Excuse-moi, oui. La question que je me pose. Oui. Mais pourquoi le Créateur nous a-t-il créé ainsi? Le Créateur nous a créé naturel. Mais nos grands-pères, nos grands-mères n'ont pas obéi. Et ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient faire. Et en mélangeant tout et n'importe quoi, en disant que oui, on peut mettre ce qui n'est pas de nous pour que ça devienne à nous. Or, on sait très bien, même quand on grandissait, on voyait nos grands-parents, nos grands-mères faisaient tresser des cheveux sous forme de cheveux arabes. Oui. Donc, quand le frère Kanida Congo, que je regarde de temps en temps, parce que la vérité, elle est maintenant claire dans les Écritures, mais m'a fait révéler cela. Et j'ai pensé quand ma grand-mère, effectivement, faisait des tresses à ma maman avec le fil, mais avec ses propres cheveux, ou parfois des cheveux arabes à la main. J'ai dit, ah. Donc ça, on nous l'avait simplement imposé. On nous avait imposé ça, en fait. Oui, quelque part. Parce que quand on est en Afrique, que ce soit au village ou n'importe où, on voit tout le temps la femme noire chez elle, elle garde ses cheveux naturels. Elle ne met pas. Mais malheureusement, et finalement, qu'est-ce que je veux. C'est comme ça ou pas? Je pense. Je ne suis pas au village. Ah non, je ne veux pas ressembler à une vieille. Pour que je sois belle devant toi. Oui. Mais cette beauté que tu as, que tu caches, le Créateur aussi veut le voir en toi. Frères et sœurs, repentez-vous, soyez la lumière du monde, pareillement qu'elle brille devant vous, car le temps est venu, repentez-vous pour accomplir les saintes écritures. Hey yo l'ami, qu'as-tu à crier ce matin en pleine rue, Bible en main? Laisse-le. Oh, ne vois-tu pas qu'il prophétise? Écoutons-le. Ses dires nous édifieront peut-être, hein l'ami? Repentez-vous. Eh oui frérot, écoute, celle-ci c'est l'heure de vérité. Arrêtez les mensonges qui depuis des lustres n'ont rien amélioré, les anges pleurent. On aggrave des pétards qui s'empirent, de jour en jour ça va de pire en pire. L'atmosphère gérée par Lucifer, rien ne change, il va s'y faire. C'est au bout de l'idolâtrie, l'église a créé sa divinité, oh. Sachez que les pierres, le bois, ne parlent pas qui pointent le doigt. Le matérialiste est une absurdité. La peur qu'ils ont pour l'immortalité montre que leur divinité est un divin des morts. Ne dis pas ça l'ami, c'est insensé. Non, laisse-le parler. Écoute frérot, l'église a oublié Yahvé. Fais allégeance au dieu étranger Nzambi. Dis qu'il parle aux morts, fréquente les zones Nzambi. Aïe. Représente avec accord la croyance envers sa majesté. Quiconque le fait antichrist, tout comme ceux qui pensent que le droit de l'homme est une religion, c'est triste. Il n'y a plus de liberté sans loi, fils avait établi la tienne. Respectons-la, quoi qu'il arrive à cela, contrairement à celui que. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Pour recevoir la lumière du jour sur vous.
cette histoire, mon frère, elle me fait marrer. Si Dieu est vraiment le soi disant Dieu lui-même, esprit et créateur de l'humanité, omnipotent, omniprésent, omniscient, maître de son esprit. Jamais, jamais celui de l'homme il ne peut contrôler. Simple instrument par son soi disant miracle qu'il avait lui-même à créé. Bah où ses pouvoirs magiques sont finalement passés. Assez. Pourquoi donc au nom de Dieu l'église ne fait que verser le sang par son passage, des guerres et des conquêtes à la traite négrière, de l'inquisition à la colonisation, du monopartisme à la démocratie. L'église n'a fait que tuer le nom de Dieu. T'inquiète pas mon frère, je ne jurerai jamais au nom de Dieu. Frères et sœurs, repentez-vous pour accomplir les saints écrits. Repentez-vous, repentez-vous pour recevoir la lumière du jour sur vous. Les saints écrits, repentez-vous pour recevoir la lumière du jour. Tes paroles, frère, je ne saurais les compléter, sauf que je note le fait que le Dieu esprit n'a jamais existé. Mais il est imposé par la force et sur le chicot des missionnaires par le diable hanté. Appelant chien par chien, chat par chat, quel que soit le lieu dans le monde où il se trouve, le nom de l'homme reste inchangé. Pourquoi le titre Dieu a remplacé le nom de Yahvé? Même il fallait aussi changer le nom d'Abraham, le nom d'Isaac, de Jacob, du mont Sinaï. Pourquoi l'intégrité de la vie par l'église a-t-elle été violée? Arrêtez les mensonges qui brûlent les gens, car l'heure de vérité est arrivée. Repentez-vous, prenez garde, il est là le royaume de Yahvé. Matata, bamama, lusambila, batwenya, bibunda, lusambila. Frères et sœurs, repentez-vous pour accomplir les saints écrits. Repentez-vous. Pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous pour accomplir les saints écrits. Repentez-vous. Repentez-vous pour recevoir la lumière du jour sur vous. Tout le monde croyez maintenant en Yahvé. Tout le monde priez maintenant en vérité. Repentez-vous pour la gloire de Yahvé. Moumakeli Kalupingou.